Bonjour. Faire une petite forêt quoi. Ouais. Voilà. Mais bon, lui, vous allez le voir une fois, après il va plus. Ouais, il était là par hasard. Bah, tu non, pourquoi par hasard? Et je crois qu'il faut absolument qu'on protège notre planète. Et je te remercie, Laurent, pour cette initiative. C'est eux, hein, c'est eux qui ont marqué les buts. Hein. Oui, oui, non, mais... Un petit temps cet été avec le service au club, on s'est dit, voilà, pourquoi pas faire ça. Alors après, c'est 5 arbres, 10 arbres, 8 arbres, 12 arbres, on ne sait pas. Et puis voilà, on a trouvé cette idée-là. Et la première avec bon, le maire n'est pas là, mais avec ses adjoints, l'idée, c'était voilà, d'associer la ville aussi avec nous. Pour la première, et je pense qu'on a une ville qui est aussi qui fait beaucoup d'écologie, donc autant voilà, autant rendre l'utile à l'agréable. Et on n'est pas juste là pour jouer au football et marquer des buts, on est aussi là pour voilà, d'avoir quelques actes citoyens. Des fois, ça fait pas de mal, et puis d'avoir les joueurs qui sont là pour le faire. Donc voilà, c'est bien. J'espère que là, je vais implanter maximum dans la saison et qu'il y aura une forêt bientôt ici. Oui, oui, c'est une belle initiative. Je pense que vous pouvez le voir. J'espère justement qu'on en plantera le plus possible. Il faudra dire qu'on aura fait sûrement une très bonne saison. Alors on essaye à notre petit niveau de donner des aiguilles, d'essayer de donner des idées. Après, on n'éteint pas la vérité, on n'éteint pas le monopole de rien. Mais voilà, c'est un geste symbolique peut-être, mais je trouve que c'est un beau geste et j'espère qu'il va marquer beaucoup de buts pour qu'on plante beaucoup d'arbres sur la ville de Montpellier, sur la métropole de Montpellier. Et voilà.